deux ans que je suis au club en tant que salarié. Donc, puis je suis aussi intervenant auprès du district en tant que membre de la commission technique et la commission des jeunes d'animation. Et puis je dois tout gérer sur des jeunes dans l'organisation, le fonctionnement. Je suis la représentante féminine de tout le pôle féminin au club. Alors, le club sportif Chaumonteau a obtenu le label en 2019-2020. Suite à une candidature, le club avait déjà eu le label il y a longtemps. Et c'était un projet qui nous tenait à cœur de obtenir le label de nouveau par rapport au travail fourni au club. Pourquoi ? Parce que c'était par rapport au travail, la formation des éducateurs qui remplacent et le projet qui avait été mené un peu sur un an auparavant sur un recrutement d'éducateurs et puis surtout de fidéliser nos jeunes. Il était important justement de postuler au label pour déjà l'avoir, pour l'obtenir, pour justement montrer aussi aux parents et rassurer aussi les parents et les instances aussi que le travail est conséquent et bien déterminé au sein de notre club. Alors en termes de catégorie, on a des U6-U7, on a 4 équipes, donc on tourne à peu près à 30 enfants licenciés. On est sur les 8-U9, on est parti sur 6 équipes, sachant qu'il y a des niveaux, donc on aura des équipes en niveau 1, niveau 2, car on a une quarantaine d'enfants. En U10-U11, on est sur 4 équipes, dont 2 formations et 2 loisirs. Pareil, une quarantaine d'enfants. Et en U12-U13, 4 équipes, dont 2 aussi loisirs, avec des U12 en niveau 1, et on veut aller en pré-ligue en U13. Une équipe en U8-U9 et on est en train de construire une équipe en U10-U11 féminine. Alors nous, les ambitions, c'est d'obtenir étape par étape donc l'excellence. Donc on va postuler pour la saison 2020-2021 cette année et d'avoir l'élite dans les 2-3 années à venir. Alors, label féminin, c'est la même chose que chez les jeunes en garçon, c'est que là on a obtenu bronze. On va développer grâce à nos interventions auprès des écoles primaires. Alors, le club de Chaumont, déjà, ça c'est trop travailler sur ces 3 valeurs, c'est le plaisir, l'aspect humilité. C'est un club ambitieux qui a pas mal de bons éléments, dont un président d'honneur et un papa. Le papa du président d'honneur qui travaille beaucoup pour le club. Donc un club ambitieux qui a toujours envie d'avancer, d'évoluer et de proposer des pratiques pour tous.